ngira me forora meme baba ninga falene be ngira gile ngira me forora imuti mirio wi me de ngira me kafera imuti fefe su de ngira me kafera Mesdames, Messieurs, bienvenue à Manège du Savoir qui a déposé ses valises ce jour à Nyanon, commune située à 250 km de la capitale économique Douala. Ici, c'est la liesse populaire. Le nouvel exécutif communal est installé ce jour par le préfet de la Sanaga maritime Jean-Edith Abaté. Des délégations sont venues de la ville et les populations sont sorties des cantons, des trois cantons que compose l'arrondissement. Nous avons rencontré des personnes charmantes qui nous parlent aussi de ce qu'elles ont vécu et comment elles vivent ce moment de joie. Bonjour, Monsieur Molbouk. Bonjour, Madame Albert Marie Toyen. Surtout, bonne fête. Merci beaucoup. Et comment vivez-vous ce moment de joie? C'est ouf, c'est l'enthousiasme total. Parce que c'est une année qui est accomplie pour nous. Nous avons gagné très bien à la commune, nous avons gagné au municipal. Alors nous avons un maire et un député. Et cela n'est pas donné à n'importe quel arrondissement. Oui. Et vraiment, c'est une très grande joie pour nous autres. Et comment vous accueillez l'exécutif communal? C'est un nouvel exécutif, c'est ça? Naturellement, c'est un nouvel exécutif. Moi qui vous parle, je suis conseiller municipal depuis 2002. Oui. Donc, j'ai travaillé avec le député actuel Bando Polycap, qui a fait 2 mandats. Oui. J'ai travaillé avec Maître Anatole Gimbis, qui a fait 1 mandat. Et nous avons là aujourd'hui le professeur d'université que nous appelons Onkan Evarlé Joseph, oui. Un homme intègre, je puis dire même un ancien séminaire, pas un ancien séminaire, mais un ancien prêtre. Oui. Bon, et nous avons jugé utile de le mettre à la tête de notre commune, parce que nous connaissons ses valeurs, nous savons que c'est un homme de foi et c'est un homme humain. Nous espérons qu'avec lui, nous allons faire plus que dans le passé. Donc avant même le début de son action, vous établissez déjà une différence entre le sortant et l'entrant. Bon, chaque maire qui arrive cherche à faire ce qu'il peut faire. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que ce nouveau maire va travailler avec l'élite. Vous savez, nous avons la décentralisation. Oui. Et la décentralisation, c'est quoi? La décentralisation, c'est un instrument de développement. Et vous ne pouvez pas travailler en aparté, en laissant l'élite, oui. En laissant les forces vives. Nous allons donc, même pendant notre campagne, nous avons demandé, nous allons travailler avec toute l'élite, toutes les forces vives, les chefs traditionnels et tout le monde. Et je crois que ça va donner. Oui. Surtout qu'il semblerait que dans les rangs, il y a une femme. C'est-à-dire que vous avez fait également confiance et reconnaissez le dynamisme des femmes de votre canton, enfin madame. De votre arrondissement. Naturellement, madame. Naturellement. Vous ne pouvez pas... La femme, c'est la mamelle de l'enfant. Oui. Là où il y a la femme, il y a toujours la réussite. Et je crois que nous allons réussir. Elle est la deuxième la... Elle est deuxième argent au maire. Elle sort du canton... Rigo de la Duel. Oui. Je crois que les femmes qui sont l'épine dorsale, oui. Du développement, je crois qu'elles pourront faire plus que ce qu'elles font davantage. Le premier chef de district qui s'appelait Monsieur Nangen et sa dame était Madame Nangen Jeanne
qui arrivait ici en 94. C'est lui qui a ouvert le district. C'était d'abord le district. Bon, arrivé ici, cette dame a constaté que les femmes de Nyanon ne se regroupaient pas, ne se rassemblaient pas, ne savaient pas ce que voulait dire la réunion. Bon, elle a été impressionnée des femmes jeunes, actives et tout. Mais un jour, elle se décide de rassembler les femmes. Elle commence par une vingtaine. Et qu'est-ce qu'elle nous demande? Bon, elle nous apprend ce que c'est que l'association. Parce que dans, chez les Bamileke, c'est vraiment ce qui fait leur force. Et nous aussi, nous avions adopté cela. Et depuis ce jour, nous sommes ensemble. Au départ, c'était un petit groupe de quelques 20 femmes. Aujourd'hui, nous comptons plus de 135 femmes. La cotisation, quand elle commençait, c'était 1200 par an. 1200 par an. Les aides, quand on perdait, par exemple, un membre, c'était... Et elle, chez les Bamileke, on ne mange pas, on ne boit pas. Et elle nous a demandé de faire ça quelque part. C'était dans les salles de classe. Parce que vous connaissez, ici, chez nous, quand on va à la réunion chez quelqu'un, tu vas peut-être avoir la cotisation de 10 000, tu vas dépenser 15 000 pour la boisson et la nourriture. Chez eux, c'est le contraire. Alors, nous, les femmes de l'arrondissement qu'elle a laissé, nous avions adopté leur système. Donc, nous faisons nos réunions dans les salles de classe. Nous ne marchons pas de maison en maison. Dans les salles de classe, alors, nous sommes parfois coincés. Coincés parce que parfois, les enfants vont jusqu'à 15h30, 16h pour les répétitions. Alors, on a trouvé que nous allons faire quelque chose nous-mêmes. Ou nous allons ouvrir nous-mêmes la porte quand nous voulons. Donc, c'est ici. Et vraiment, c'est les petits moyens, ces femmes que vous voyez. Peut-être qu'il y a autre deux fonctionnaires. Donc, deux maîtresses. Moi, j'étais infirmière, je suis déjà retraitée. Mais sinon, la maison que vous voyez là, c'est le bâton de manioc, c'est les arachides, c'est les mintumba, c'est les beignets. Et actuellement, nous cotisons 10 000 par an. Le secours pour les deuils, il y a le développement, il y a la punition, il y a l'épargne, il y a tout, tout, tout. Alors nous avions un jour, une année, on a trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de secours à secourir. Alors nous avions eu l'ingénieuse idée. Voilà, et des réserves. On avait au moins 1 million de réserves. On dit, mais le million, si, qu'est-ce qu'on va faire? Lançons. On commence. Et voilà, actuellement, comme vous voyez, là, nous sommes bloqués. Nous profitons vraiment de votre présence pour que les voies s'ouvrent pour finir ce que nous avions commencé. Parce que là où nous sommes déjà étouffés, essoufflés. Nous ne pouvons plus aller en avant. Vous voyez, ça nous dépasse vraiment en taille. Donc, Madame la Présidente, qu'est-ce qui vous a motivé pour penser à construire une maison de la femme à Nyanon? Nous voulons que si jamais le gouvernement ou alors les bonnes âmes nous aident, nous allons faire même les formations ici. Et si jamais on peut même nous affecter même un service social ici, on va leur donner une chambre et ils vont travailler là-dedans. Donc, ce qui nous a motivés, c'est que nous voulons avoir une salle. À Nyanon, il n'y en a pas. Ailleurs, nous voyons les salles des fêtes partout, les foyers partout. Ici, il n'y en avait pas. Et cette association a décidé de faire quelque chose. Un message à l'endroit de notre maire. Le maire de Nyanon, nous lui disons de nous venir en aide. Qu'il nous tende aussi les mains et qu'il ouvre aussi ses oreilles pour nous écouter. Par exemple, les routes. Il y a la route centrale qu'on laisse au gouvernement, mais il y a les petites pistes qui vont dans les villages les plus reculés. Que si seulement lui, il peut mettre vraiment l'accent sur les routes, parce que c'est l'enclavement là qui nous rend tellement en arrière et vraiment la pauvreté. Vous savez que Nyanon, c'est d'abord la mamelle nourricière de la Sanaga maritime. Et comment faire pour reculer nos produits, ça, c'est là, sur place. Des fois, ça pourrit même là. Quelqu'un, il y a même les voitures qui entrent, ils ont peur de payer la nourriture parce qu'avant d'arriver à Yaoundé, ça va se gâter ou à Douala. Alors, si le maire peut seulement essayer de nous sortir de cet enclavement à son niveau, parce que s'il peut recruter même les jeunes comme ça et combler rien que les trous, ou alors défricher les alentours, les bords de route,
Donc, nous ne lui demandons pas trop, mais qu'il fasse quand même quelque chose. Je suis d'abord très contente, parce que c'est une affaire qui est arrivée. Bon, je remercie d'abord le bon Dieu qui a accepté que vraiment je sois élue maire. C'est d'abord la première fois depuis que Nyanone est créée. Pour qu'une femme soit mère, c'est moi la première. Je suis d'abord très contente. Bon. Comme je ne suis pas du réseau, quand je vais entrer et voir les projets, je suis sûre que moi aussi, je vais essayer de faire comme d'autres femmes. Depuis que Nyanone a eu la commune, il n'y avait jamais eu de femme mère à Nyanone. Donc j'ai vu que depuis ce temps-là, Nyanone, les femmes étaient lésées à Nyanone. J'ai dit seulement à toutes les femmes vraiment d'être éveillées, ne pas dormir, tout le monde doit être éveillé. Et nous disons félicitons Mme Bongla Catherine, épouse de Tonien. Ouais. Et espérons que ses sœurs vont l'épauler et vont venir, comme vous avez dit, pour que la commune grandisse, voit le développement d'une autre manière. C'est du droit, madame. Oui. Et s'il vous était donné de parler de votre commune, que diriez-vous? Oui, notre commune est la plus belle, Mme Tonien. Elle est la plus belle et je crois que c'est l'une des communes même les plus riches. Sauf que cette richesse est dispersée. Mal canalisée. Elle est très mal canalisée. Nous sommes la commune de Nyanone, la première commune productrice de cacao en Sanaga-Maritime. Oui. Donc nous produisons au moins de 95%. Bon, mais cette fois-ci, nous allons réorganiser la commercialisation de notre cacao. Oui. C'est-à-dire que nous osons croire qu'une fève ne sortira plus jamais sans que la commune sache là où elle va. Et nous allons essayer de demander à nos populations de chercher aussi à transformer, même de façon artisanale, notre cacao. Oui. Parce que nous produisons le cacao, les gens ne savent pas que le cacao a l'huile ou le beurre de cacao. Oui. On ne sait pas que le cacao a le chocolat. Il faut que les gens commencent à apprendre ça. Et on a une jeunesse active. Vous savez, au village aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des licenciés, qui sont des planteurs, oui, qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné la ville. Mais c'est des gars bien. Ils se sont lancés dans la cacao culture. Quand vous avez 100 kg de cacao, oui, on vient vous donner 100 000, des fois même c'est 90 000. Et vous suppliez même les gens pour qu'ils viennent vous acheter ce cacao. Alors que si vous transformez 100 kg de cacao, vous avez 20 litres de beurre de cacao. Et vous savez combien les 20 litres de beurre de cacao donnent? Non. 500 000 francs. Alors si nous le transformons, nous produisons des tonnes et des tonnes, mais nous serons on ne va pas envier même Yaoundé Douala. Hein. Quand vous vendez le produit, vous devez vous occuper de votre famille, envoyer des enfants à l'école. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes même le gouvernement, vraiment... ce que je peux vous dire, le gouvernement nous a galvanisés, le gouvernement nous a gâtés. Nous avons plus de 6 lycées. Nous avons plus de 6 lycées, madame. Oui. Nous ne comptons pas les CS, les CETIC. À chaque 1 km, 2 km, vous avez des écoles primaires. Sauf que là aussi, les écoles primaires, nous avons aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de maître. Vous trouvez dans chaque école, vous trouvez un maître. Alors là, nous avons un enseignant qui est à la tête de la commune. Je crois qu'il va se battre pour que ce manque-là soit comblé. Et vous lancez également l'appel au niveau des ministères. Des ministères de l'éducation. D'éducation de base, ouais. Ministère d'enseignement secondaire. Oui. Ouais. Hey.
c'est un arrondissement à quelques encablures de Yaoundé. Nous sommes à une centaine de kilomètres de la grande capitale de Yaoundé. Et c'est un arrondissement, n'est-ce pas, qui regorge un creuset en matière d'éducation dans la Sanaga maritime. Je vous rappelle que c'est le deuxième arrondissement après celui de l'idée à premier en matière d'éducation quant à la quantité et même la qualité, n'est-ce pas, des élèves et des apprenants. Donc, vous avez demandé cet état des lieux. Je voudrais vous dire en gros que Nyanon regorge effectivement des établissements d'enseignement secondaire, ce que nous n'avons pas vu il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a environ 8 établissements d'enseignement secondaire. Nous avons 4 ou 5 lycées. Donc, je dirige un, le lycée de Ndémé. Et au niveau de l'enseignement de base, c'est vrai, je ne suis pas spécialiste d'enseignement de base, mais en tant qu'éducateur, je voudrais vous dire que Nyanon est, comme je l'ai dit, le deuxième arrondissement en matière d'éducation en Sanaga maritime parce que il regorge d'une importante quantité des établissements d'enseignement de base. Quantité et qualité parce que nous en avons, mais vous connaissez ce que nous avons aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème des enseignants. C'est le plus important dans nos établissements. Je m'en voudrais vous dire que, par exemple, le lycée d'Indémé, un établissement qui est jusque-là en première déjà, 2 enseignants officiellement affectés ici. Vous allez comprendre que le ratio est assez bas par rapport à, n'est-ce pas, au recouvrement ou à l'encadrement des apprenants. Par quelle magie vous vous en sortez pour pouvoir tenir des salles de classe de la 6e en première? Effectivement, c'est une gageure. Vous allez comprendre que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de prendre des enseignants d'un peu de partout. Le lycée de Nyanon, qui est à 10 km d'Indémé, est l'un des, d'une des bases, n'est-ce pas, du recrutement des enseignants de manière temporaire pour le lycée d'Indémé. Et même, nous allons jusqu'à Yaoundé prendre des étudiants pour que les enseignements se fassent jusqu'au mois de juin, tout au moins. Dans tous les cas, on se bat, tant bien que mal, et notre hiérarchie parle souvent de l'équation personnelle. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Et nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs qui sont à bord du manège du savoir, qui reçoit aujourd'hui une élite de l'arrondissement de Nyanon, et monsieur qui est venu nous partager la joie qu'ils ont vécue lors de l'installation de leur maire, de leur nouveau maire. Ce maire sur qui vous mettez beaucoup d'espoir. Oui, nous mettons beaucoup d'espoir sur ce maire. Nous espérons et nous prions que Dieu lui donne, continue à lui donner la vie et à augmenter sa sagesse. Parce que toute sa vie, durant, il n'a travaillé que pour faire du bien. Oui. Et je crois qu'il est la personne la mieux indiquée pour qu'il soit pour faire ce qu'on prévoit faire aujourd'hui à Nyanon. Restons sur cette lancée-là, M. Molbok. S'il vous était vraiment donné de conseiller le maire Joseph Onkan de Varlet, que diriez-vous à cet illustre personnage? M. Onkan de Varlet est la personne qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui réalise. Nous sommes ses conseillers. D'abord, ses plus principaux conseillers. Mm-hmm. Et étant des anciens dans cette commune, je crois qu'il va faire plus qu'il faut. Puisqu'il nous a dit que, d'abord qu'il ne voulait même pas être maire. Onkan ne voulait pas. Oui. Bon, nous l'avons beaucoup prié, supplié même, pour qu'il devienne maire de Yaoundé. Et il est là à notre disposition pour qu'on l'aide à faire ce qui... Parce que lui, il a dit qu'il n'aime jamais échouer dans sa vie. Tout à fait. Il dit qu'il n'aime jamais échouer. Et quand un monsieur de cet âge vous dit qu'il n'aime jamais échouer, je crois que nous allons l'aider
à faire beaucoup plus que par le passé. Il a été directeur des études à l'école normale supérieure d'enseignement technique. Il n'a pas échoué. Il a pris sa retraite. Et jusqu'à aujourd'hui, il est sollicité dans des universités. Oui. Il est sollicité. Chaque fois même au village, on l'appelle. Voilà. Donc, ce monsieur, je crois que avec la volonté de Dieu, nous allons réussir. Notre mairie révèle les habits nouveaux, ça c'est certain. Et nous sommes là pour essayer d'amener notre part de contribution au développement de Nyanon. En fait, nous nous sommes rendus compte que Nyanon prend du retard et nous sommes là pour se battre de manière à ce que quand on voit la télé, on parle des autres régions, qu'on parle aussi de la région de Nyanon. Parce que Nyanon est une potentialité. La culture du cacao aussi, je pense que Nyanon doit être soit le troisième ou le premier producteur de cacao dans la Sanaga maritime. Et il faut qu'on valorise cela. Il faut que nous essayions de nous battre de manière à ce que Nyanon puisse devenir un arrondissement digne de ce nom. Parce qu'il a des fils qui sont capables. Malgré la dissension que nous avons, nous essayons aujourd'hui de nous battre de manière à ce que nous nous retrouvions ensemble pour parler des yeux dans les yeux. Merci, c'est le troisième exécutif que nous accueillons depuis la création de la commune. Notre présence ici ce jour, à l'occasion de l'installation de cet exécutif, témoigne de ce que nous voulons apporter, notre contribution au développement de notre commune. En réalité, nous sommes ancrés dans nos peuples et nous sommes là tout le temps et tous les jours avec eux. Et nous croyons que l'objectif, c'est de promouvoir le développement dans tous les sens, au propre comme au figuré. Et l'élite que nous sommes a un rôle très important à jouer dans cette action. Et nous attendons simplement que non seulement l'exécutif nous tende la main, mais aussi que toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, soient mises ensemble de manière à ce que nous puissions sortir du sous-développement pour que la commune de Nyanon émerge. Et vous savez qu'en ce moment, c'est l'objectif de l'émergence en 2035 et nous devons tout mettre en œuvre pour que nous ne soyons pas à la peine. Je suis un homme comblé et un homme très heureux parce que j'ai assisté au conclave qui a choisi le professeur Onkan pour présider aux destinées de la commune de Nyanon. Comme vous le savez peut-être, la commune de Nyanon a connu des secousses très importantes lors de la dernière mandature. Il y avait des problèmes entre les conseillers municipaux et l'exécutif municipal, ce qui a bloqué la commune pendant près de 2 ans. Nous avons décidé d'amener un homme d'expérience, un réconciliateur, un homme que tout le monde respecte, un septuagénaire, pour mettre de l'ordre. C'est ainsi qu'on a fait appel au professeur Joseph Onkan, qui est un homme qui va gérer une mandature transitoire pour la relance de la commune de Nyanon. Et je suis autant heureux qu'au même moment, la Providence a voulu que je sois député à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de miracle. Le député n'a pas de moyens, il n'a pas de budget. Mais c'est un médiateur et c'est un législateur. Je vais m'employer de toutes mes forces pour me concerter avec l'exécutif municipal et le conseil municipal. On va susciter des projets à partir de la base. Et je porterai ce projet à l'Assemblée nationale pour qu'il soit incorporé dans le budget de l'État. Vous savez, je le dis toujours, il n'y a pas d'école de députés, il n'y a pas d'école de politiciens, il n'y a pas d'école de maire. On devient un bon député, un bon maire par la pratique. Maintenant que je reviens à l'Assemblée pour un deuxième mandat, l'occasion m'est offerte pour donner le meilleur de moi-même, et le meilleur de la politique à la population de Nyanon. Selon vous, quelles seraient les priorités? Sur quoi mettre l'accent en prime? La priorité d'abord, Madame Toyen, c'est de réorganiser la commercialisation de notre cacao. Oui. La deuxième des choses,
c'est que nous avons le problème des routes. Oui. Ça, c'est notre grand handicap. Vous savez, un adage dit, là où la route passe, le développement suit. Oui. Nous souhaitons, avant la fin de notre mandat, ou à la fin de notre mandat, que le gouvernement essaye de nous faire sortir de cette merde, de ce bourbier, parce que si on a la route qui part de chez nous à Edea, on a la route qui part de chez nous à Yaoundé, on a la route qui part de chez nous à Ngambé, à Ndome, un peu presque partout, à Sombengue, nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés, parce que nous avons tout. Madame, venez chez nous quand il y a la saison des fruits. Oui. Ça pourrit, alors que c'est de l'argent. Tout à fait. Les oranges, le plantain même là, c'est à vil prix que les gens viennent ramasser ça. Notre commune est une commune que Dieu a bénie, puisque notre terre est très fertile. Nous, on ne connaît pas l'engrais chez nous. Oui. C'est un don de Dieu. Vous êtes encore bio. Voilà. Si on est dans la route, qu'est-ce qui nous manque? Nous allons concurrencer. Bon, on ne va pas avoir de bateau chez nous, mais nous allons concurrencer même Yaoundé. On va s'enfuir. Nous allons dire que bon, Yaoundé ne nous sert plus à rien. Où doit-il? Puisqu'on aurait tout chez nous. Oui. On aurait tout chez nous. Ce n'est que la route. Et la place des chefs traditionnels dans toute cette action que vous pensez mener avec le maire? Oui, nous travaillons avec les chefs traditionnels. Vous savez, les chefs traditionnels sont d'ailleurs les auxiliaires d'administration, mais auparavant, ils n'avaient pas de salaire. Aujourd'hui, ils ont le salaire. Nous avons dit pendant la campagne que à chaque conseil municipal, nous allons inviter les chefs traditionnels, oui. Surtout les chefs de premier et de deuxième degré. Oui. Parce qu'ils ont à leur tour les chefs de troisième degré qui sont sous les ordres. Il faut sensibiliser les gens. Il faut sensibiliser les gens. Le maire a dit l'autre jour qu'il nous faut un service d'hygiène. Moi, j'ai fait la zone anglophone. Oui. Chez les anglophones, il y a un service d'hygiène dans chaque commune. Vous passez de maison en maison. Si vous n'avez pas les latrines, allez, on vous donne des amendes. Tout à fait. Nous sommes venus assister à l'installation d'un homme, professeur Onkan, qui a consacré toute sa vie à la formation de la jeunesse. Nous sommes venus l'assister, nous sommes venus le supporter, nous sommes venus parce que nous savons qu'il va porter les doléances des populations désormais et qu'il saura être à la hauteur des tâches qui lui seront confiées, comme il l'a fait avec la jeunesse. Eh bien, nous pensons continuer dans ce sens en nous rapprochant de nos élites, en faisant que les élites viennent assister le maire dans la tâche qui sera la sienne et qu'ils aient les bénédictions, toutes les bénédictions des autorités traditionnelles pour qu'ils puissent bien mener leur mission. Et nous comptons les accompagner et leur donner tous nos encouragements. Alors oui, quelle est ma bégouaniza? Maman, dans ma bonne année, là, et un bourra jamais coucou. Dans ma belle année, là, et un bourra jamais, oui, dans ma bégouaniza. Oui, à député, ya.